Do re mi fa so la ti do ti la so fa mi re. Do re mi fa so la ti do ti shone kona. Je suis la cofondatrice de ZipZap, qu'on a créé en 92, une école de cirque social. Donc on a créé un espace où on voulait que les jeunes se rencontrent et puissent apprendre la vie, donc en jouant, en travaillant, en apprenant et en faisant des numéros de cirque. Donc on a utilisé les arts du cirque pour cette insertion sociale et ce développement d'expertise qui finit par un emploi. Cette année, le Market Theater avait une idée, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire, à partir de leur branche qui est une école de théâtre qui s'appelle le Market Laboratory, ils avaient l'idée de faire une compagnie qui fasse vraiment partie du Market Theater et qui est donc un groupe d'acteurs qui ait notamment un salaire régulier et qui soit affilié au théâtre. Ce sont des jeunes acteurs, c'est-à-dire qu'ils viennent de finir leurs études au Market Laboratory et que cette compagnie est une sorte de tremplin pour le monde professionnel du théâtre. Et donc l'Institut français était très intéressé pour soutenir cette initiative qui nous faisait penser à la troupe de la Comédie française, qui est une des plus anciennes troupes. Et celle-ci serait une des plus jeunes troupes d'Afrique du Sud à affilier un théâtre. On a 2000 élèves maintenant dans 10 programmes différents, mais on a 5 programmes qui sont des programmes sociaux, c'est-à-dire c'est nous qui allons dans les bidonvilles, c'est nous qui allons les chercher dans les régions. Dans des régions défavorisées. Et ensuite, ils peuvent filtrer dans des programmes jeunesse qui ensuite se passent ici, qui montent de niveau et ensuite qui se terminent par une formation professionnelle ou bien une formation artistique et ensuite qui peut finir par un emploi en tant qu'instructeur, technicien ou artiste. On a rencontré la directrice du Market Laboratory, qui est l'école de théâtre, Clara Vaughan, et le directeur du Market Theater, Ishmael Mohamed. Et on a commencé à brainstormer sur des idées de pièces qu'on pourrait faire. Étant donné qu'il y avait une composante française à avoir, on en est arrivé au Petit Prince, qui est un livre connu pour avoir été le livre le plus traduit du monde après la Bible. Et donc il a notamment été traduit dans des langues sud-africaines telles que le Zulu, le Xhosa, l'Afrikaans. Le consulat fait une réunion mensuelle des Français qui sont actifs au Cap. Donc déjà, j'avoue que c'est super dynamique, j'aime vraiment beaucoup parce qu'on peut faire plus de créations, on a accueilli Captain Accueil, on essaye de faire des échanges de ressources et d'échanges d'activités, donc ça c'est très très chouette. On était à Groix, on était en Bretagne en septembre, on va aller en Espagne au mois de mai. On a un emploi du temps chargé. On a 34 spectacles le mois prochain à Pretoria. I do not permit insubordination. We're a pan-African theatre company, and it was very important for us to make sure that our audiences feel like they can connect with the story, that our audiences kind of feel represented. So we tried to throw in some music that represented the continent. We tried to throw in languages. You hear some bits of isiXhosa, isiZulu, isiSotho, you know. So we really just tried to make it a story that could happen anywhere in the world.
with France has been amazing. We've had such amazing support from IFAS, from the Alliance Française, and they've just really, you know, and Mazars as well. They've supported our entire tour. We've been to 6 cities. You know, that's been a dream come true for all of us. We've been able to see Cape Town, Bloemfontein, Grahamstown, Sasolburg, and finally to bring it home has just been amazing. And we would love the chance to come to France. Draw me a sheep. What are you doing here? Doesn't matter. Just this phrase, this beautiful quote that the fox says to the little prince, that what is essential, it's invisible to the eye. It means whatever that is beautiful, it's not from here. It's from here.